Yo tout le monde, c'est Masterbat, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... Oh, Moonwalk sur le côté. Oh, c'est... Je gère pas là. Moonwalk en arrière. Ouais, bon, là c'est un peu ralenti. C'est Masterbat, le maître du manoir. Et aujourd'hui, vous allez enfin découvrir à quoi sert enfin l'œuf dans ce mode. Je l'ai toujours, attendez. F3H, j'aime pas quand on voit les IP. Donc, le plus court point d'eau est ici. Attendez. Ouais, par là. C'est juste qu'il y a des bugs de chunk. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. On va remettre un peu plus de chunk par contre. Voilà, 6, ça suffira. Et regardez. On va. Alors, il y a plusieurs. Ouais, bon, je vais vous le dire parce que. Il va falloir que j'avance, hein, mais. Il y a plusieurs. En fait, c'est. On le fait éclore à côté d'un. C'est le mode Dragon Moon. C'est-à-dire qu'on le fait. Oh, il y a une belle grotte ici. C'est-à-dire qu'on le fait éclore à côté d'un. D'une grotte. Quand on le fait avec d'un bloc, par exemple, glace. Les feuilles comme ça. À côté. Sous la terre, un dragon. Voilà, on va récupérer de l'eau, vu que j'ai pas seal touch encore. Il y a quoi d'autre? Il y a... À côté de la lave, c'est un dragon de feu. À côté... Ah non, merde, c'est pas par là. Attendez. Oh, alors, c'est par là. Voilà. À côté d'un... Sous... tout en haut, dans le ciel, à plus de 100 blocs de hauteur, c'est un dragon de... du laser, donc avec des beaux à côté, et ils ont tous un truc différent. Par exemple, le dragon de, par exemple, ils ont des tribales, ils sont verts avec des tribales, ceux avec les ceux qui ont les dragons des forêts. Ça va, toi? Ok, on charge l'arbalète, les gars. Ça va chier dans le potager pour qui? Mais oh, c'est le des bandades ici, d'accord. Salut. Oh, le mec, oh, mais dégage! Expliquez-moi d'où elle spawn là. Je m'absente 5 minutes et ça y est, c'est la fin. Non, j'entends pas de bruit ici. Donc, oh, la souris qui en fait des siennes. Donc, on va le mettre dehors. On va. Ici, normalement, il y aura de la glace. Ça se transformera en glace. Si on est dans un biome, je me souviens jamais quel biome c'est. On est dans Ice Mountain. Ouais, non, normalement ça. Alors, j'ai choisi glace parce que je me suis dit Frozen Survival, tant faire un dragon de glace. Il a des pics de glace sur le dos et des trucs de et des toiles, vous savez, qu'il y a sur les ailes. Ben, c'est en glace transparent. Il a des yeux verts. Donc, après, si vous voulez un autre, bon, après, je dirais non, évidemment, si pour un dragon de feu, parce que c'est vraiment pas dans le thème. Mais après, par exemple, dragon, ah, il y a dragon d'eau, dès qu'on met à côté de l'eau, il est bleu et tout, il est bien. Ça peut un peu tout, à part le dragon de feu, j'accepte. Donc, dites-moi dans les commentaires, je me regiverai un œuf, je tuerai l'autre. Et ça fera comme si c'était celui qu'on avait eu. Donc on fera ça. Donc si vous voulez quelque chose autre que celui de glace, on va attendre que ça peut-être autour. Alors voilà, on va attendre. L'eau scintille, c'est magique. Bon, et dès qu'elle aura glacé, j'aurais pu faire creuser les mignons, remarque. Donc en attendant. Si jamais au bout de 10 minutes ça a toujours pas fait, j'irai faire creuser les mignons et je vous ferai éclore. Et peut-être qu'au prochain épisode il éclora, ou peut-être dans cet épisode, hein, mais ça met un petit peu de temps, je pense pas vraiment. On va le remettre là, hein, parce que j'ai pas envie de le perdre. Non. Pour faire plaisir à Warhead, il voulait qu'on range. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier épisode? Pendant ce temps, on va faire la chambre. Je pense que c'est le meilleur à faire. Hein. On va prendre ça, ça, du bois, ça. Ouais, on en a pas assez du bois. J'irai en prendre en off. Donc, moi, je pense que le meilleur, c'est de faire ça. Hop, hop, hop. Hop. Entourer cet endroit-là.
Hop, 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 hop. Non, pas comme ça, s'il te plaît. Voyons, un petit peu de respect là. Voilà. Parce que vu qu'il y a beaucoup de mods, c'est très sensible. Hop là. Voilà. Ici, ce sera la chambre. Ensuite, ici, il y aura la salle de bain, je pense. Salle de bain chiotte. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'autant de. Et là, ce sera le couloir. Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est le meilleur, la meilleure des façons de le faire. Ensuite, on va mettre un, deux. Un, deux. Ah, c'est pair. C'est chiant quand c'est pair. Et là, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est impair. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et le reste, on va s'en servir pour ça. Hop. Ici, des planches. Hop. Hop. Ouais, on va tout faire, hein. 36 dalles, je sais pas si ce sera bon. Et regardez, on va faire comme ça. Hop. 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 Et si on n'aura pas assez de place un jour qu'on veut rajouter des salles, je ne sais pas lesquelles, on aura toujours le grenier. Hein. Alors, et on va faire aussi un truc, si j'y pense, parce que moi je suis comme ça, je dis on va faire ci, ça, et après j'oublie. Mais si j'y pense, on va faire un truc à la fin, enfin je vous en ai déjà parlé, c'est, j'aimerais faire un bouquin, à chaque fin d'épisode on raconte ce qu'on a fait. Et voilà, donc si on a le temps à la fin, attendez, je vais voir si ça, normalement ça gèle de suite, c'est surtout en altitude, donc là je crois pas qu'on soit en très grosse altitude. Eh oui, voilà, c'est bon. Alors attendez, on va le faire pour pas perdre de temps. Regardez. Alors on prend l'œuf. On y fait attention, c'est délicat. Tu sais, on bat le dragon et tout, on a l'œuf. Et donc on l'écrase dans nos doigts sans faire exprès. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Non non. Ouf. Connasse, on va te régler ton compte. Ah ouais. Et elle a voulu casser mon œuf. C'est la revanche du dragon, elle cherche à se venger. Vous allez voir la puissance de l'arbalète. Ok, viens. Par contre, j'ai mal là, s'il te plaît. On est en quoi? Attends, oh. Oh non, on est en facile. Alma, c'est dangereux, hein. Ok. Elle est où? Attendez, on va dormir. Et si elle est toujours là, on va. Je laisse pas passer ça. Les sorcières, en plus, ça. Non. Ok, viens, ma grosse. Ok, elle est sur le côté. Ouais, tu vas le regretter. Hein. Oh non, ça. Ouais, hein, on fait moins la maline hein, maintenant. Moi, deux carreaux dans la gorge à ces sorcières, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, ça lui apprendra. La meuf, d'où elle se croit là? Alors, oui, ouais. Parce qu'à la base on était censé faire ça. Regardez, on prend délicatement l'œuf. On le casse pas dans nos doigts. Et moi j'ai cru que c'était l'œuf qui me faisait ça à un moment. J'ai fait oh. Hop. Clic droit. Voilà. Et là on a des particules bleues. Bleu clair comme la glace. Dans l'eau c'est bleu foncé. Donc ça. Enfin voilà. Et donc il n'y a plus qu'à attendre. Au bout d'un moment on va l'entendre faire. J'éviterai de faire le plus de choses en off parce que ça se trouve on peut faire. Alors on fait la salle et après on va faire l'enclos hein, au cas où il spawn sans qu'on s'en rende compte qu'il se barre pas. Parce que dès qu'il est pas dressé c'est vraiment la merde. Hein. Hop hop hop. Voilà. Ici on va faire. Voilà ça. Ça. Non, 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 non. Hop là. On n'a pas d'attributs. Non. On n'a pas d'attributs. Bon, on va faire avec. Hop, ici on mettra une porte dans le coin. Comme ça.
Et ici, on verra plus tard. De toute façon, ici, on va boucher ici. Hop là. Attendez, y a plus le truc de. Attendez, j'essaie de me mettre. J'ai enlevé le. Non, j'ai pas enlevé le mode. Non, c'est bon, on l'a vu. J'ai cru qu'il y avait plus de Dynamic Light, fait, hein, pourquoi? Ça va falloir vraiment trouver un autre moyen parce que c'est pas la joie. Hop là. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ici, on va faire un plafond aussi. Oh. Non. Je les ai pas toutes utilisées, les trucs, de toute façon. What? Elles sont où, mes dalles? Je sais qu'elles sont quelque part. Je ne peux pas utiliser 36. Ça se trouve, je les ai remises. Ouais, voilà, elles sont là. Non, je n'ai pas utilisé plus. C'est chaud. Ah non, mais là, on va être obligé de faire comme ça, de toute façon. Parce que là, il y a ça, faut que ce soit. Ici, on va laisser comme ça. Et ici, on va faire un mur. Hop, hop. Non. En pierre, c'est le mieux. C'est le plus beau, je trouve, pour un manoir. Hop, 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 hop. Ah, merde. J'en ai plus. Si, j'en ai encore. J'en ai encore pas mal même. Ouais, par contre là. Ça comme ça. Ouais, voilà. Ok. Et on va vite aller pêcher aussi. Donc c'est juste les murs, hein, on fait juste les fondations. Ici on va mettre. Comme ça, non, eh non, c'est pas assez. On va mettre comme ça ici. Voilà. Et si c'est trop sombre, je mettrai de l'aluminite, c'est mieux l'aluminite. Ou la glowstone pour ceux qui préfèrent. Hop là, donc on arrive, il manquera plus qu'à faire ça. Alors, canne à pêche, c'est dans outils, je crois. On n'a plus de canne à pêche. Ah, Baptiste a dû repartir avec. Est-ce que le poisson comme ça marche? Ah, mais il est cuit, merde. Ah non, non. Ah, nous, il nous le faut cru. Minerai, on va s'en refaire une et se l'enchanter de toute façon avec ce qu'on a. Hein. Un, deux, ouais, il va nous en falloir un de plus. Ouais, on a pile de quoi. Ouh, va falloir que je retourne prendre du bois. Hein. On en a plus assez là. Va falloir qu'on aille pêcher. On va se crafter ça. Ah, et je lui ai demandé la générité. Non, en fait, c'est lui qui. C'est pas un jeu de mots. C'est lui qui sait pas parler. Juste, c'est. C'est pas. Non, non. C'est pas un jeu de mots. Il est pas drôle, en fait. C'est. Non. Warhead, lors du live. Ouais, bon, on était un peu fatigué. C'était fini. On s'est fini. Ça a fini à 2h du matin. Donc. Ah, c'est très le message Skype. On va l'enchanter. Hop. Niveau 12. Ah, t'es sérieux là? Bon. Si ça continue, je vais me mettre à ne pas déranger. Mais à mon avis, c'est Warhead justement, et ça va. Ouais, attendez. Hop, ne pas déranger. Ne pas déranger. Et ce n'est pas Warhead, on m'a ajouté à une putain de con. Voilà, quand. Ouais, non, c'est bon, ça tourne. Ok. Donc on va continuer. Oh, ça bug. Ok, on va aller pêcher. Oh, j'aime pas quand ça se stabilise pas comme ça. Voilà. Oh, on a pas mal de bouffe, de quoi bouffer ici. Hein. Va falloir que je fasse un élevage de cochons et ma barre d'espace ne marche pas. Va falloir que je change de clavier. Hein. Ici c'est un. Il y a un bon gros. Oh, tais-toi.
Il y a un bon gros lac. Ouh, attendez, ça sonne. Je raccroche. Enfin, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'était les voisins qui cherchaient des renseignements, vu que c'est des nouveaux voisins, ils viennent s'installer hier. Ils cherchent à savoir comment ça marche la vie ici. Parler comme ça. Ah. Oui, un poisson. Lui, eux, c'est sûr qu'ils les aiment. Parce qu'ils mangent pas les cuits, mais après, je sais même pas s'ils mangent le saumon. Le dragon. Non, on va pas de là s'il a spawné. Allez, allez. Allez. Venez. Eh oui. Il en faut 6 ou 7, je pense. Et après, il faudra un os pour lui dire assis, couché, debout. Doucement. Petit à petit. Je pense qu'on va faire, on va enchanter trois, on va enchanter deux bouquins avec tous les niveaux qu'on a eu, hein. Qu'on s'amuse tant qu'à faire avec, qu'on meurt pas bêtement avec tous ces niveaux, ça serait con de tout perdre. Bon, un poisson s'il vous plaît. Ah merci. Voilà. Attendez. Hop là, on va se mettre là. Oui, c'est un petit bug que j'ai. Attendez. Ah non. Parce que depuis un moment, dès que j'arrive sur le jeu, j'ai pas de luminosité. Genre, dans les grottes, je vois comme si j'avais nyctalopie. Oh, bah c'est bon ça. Comme s'il y avait comme si c'était de la nyctalopie. Donc, je suis obligé d'appuyer sur vive. Juste cliquer pour que ça s'actualise. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce qui serait bien, c'est. J'aurais dû mettre le mode pour qu'on voie les poissons. Je le connais pas très bien ce mode. Je sais pas si ça rajoute d'autres poissons. Et non, moi je veux juste qu'on voie les poissons dans l'eau. C'est plus sympa. Après, faudra qu'on aille voir. Parce qu'on a jusqu'au 24 janvier. Il reste encore un petit peu de temps. Pour aller voir le. Comment ça s'appelle? Le taïga gelé là, le biome. Eh oui, c'est ça qui est bon. Voilà, je sais que c'est pas le plus passionnant. J'ai oublié du coup de remettre le comment ça s'appelle, le compteur. Bon, on s'arrêtera 5 minutes, 5-6 minutes avant. Bon, allez, un dernier poisson, on est à combien là? Oh, il n'y a que de ça, dis donc, dans cette rivière. 6 poissons, allez, un dernier avant que la nuit tombe. Dès que la nuit tombe, on rentre. Voilà. Allez, allez, allez. Tu peux le faire vite, que après il y a les monstres qui vont m'attaquer, ça va pas être bien. Y a déjà des monstres qui commencent à spawner. Enfin, ils sont dans les grottes ceux-là, ou sous un arbre, je sais pas. En bas. Non, ça y est, ça commence à spawner. Mais bon, après, Ah ouais, non, on a qu'une arbalète. Vous avez vu comme ça fait mal une arbalète? C'est vraiment bien. Et ça va, c'est assez résistant. J'aurais aimé qu'il code un peu mieux que. Voilà, allez, on rentre. Cassos. Que l'arbalète soit à l'horizontale parce que ça le fait pas trop. Normalement, en vrai, c'est. Pas à la verticale, mais sinon c'est bien comme ça aussi. Allez, on va s'éclairer juste histoire de revenir pour pas être dans le noir. Attends, on va manger un coup. Voilà. J'adore ce mode, je kiffe. Ah, je devrais installer le mode Timber aussi. Ouh, c'est très le bug de Chunk. Et toi là, tu vas dégager de chez moi, hein, ça va sans dire. Voilà. Et j'avais. Oh merde!
Il est où? Merde, le dragon a disparu. Je vois un truc blanc là. Est-ce que c'est le dragon ou est-ce que c'est un autre truc? Attendez, on va dormir. Il n'y aurait pas spawné déjà. Non, non, ça met plus de 20 minutes normalement pour ça. 20-30 minutes. Oh non. Attendez, au cas où il décide d'être agressif. C'est bon, on est paré. Ah non, il est là juste. Tu vas te calmer, tu vas arrêter de bouger s'il te plaît parce que tu m'as fait très très peur. Ouais, voilà. Donc tu vas revenir ici. Je sais que tu es rebelle dans ta coquille là, mais va falloir que tu te calmes. Hein. On va aller chercher des barrières et plus vite que ça. Hein. Oula, toi tu vas pas, je vais t'apprendre la dissidence, tu vas comprendre. Ah, sauf qu'on en a plus. Super. Ouais non, bon, j'ai envie de faire ça bien. On prend les deux livres parce que je voulais enchanter deux livres. Voilà. Ensuite, ah, on va faire un. Vous savez, les fermiers avec leur poulailler en mode ghetto, on dirait des. Il y a de la ferraille, du grillage et tout. Ben, chez nous, ce sera pareil. Ok, donc ça, maintenant, ça vient. 1, 2, 1, 2, hop. Non, tu vas arrêter de bouger, s'il te plaît, j'aimerais. Bon, il va te serrer, t'inquiète, après, tu connaîtras la libération. Tu seras libéré. Bon, on va mettre un peu de. Voilà. Voilà, ce sera la clôture du fermier, ça, ce sera. Hop, hop. Y a pas autre chose? Non, y a vraiment rien. Ok. Bon, ben on va faire comme ça, hein, écoutez. Il peut pas passer là. Y a plus qu'à attendre qu'il éclore. Super. Voilà. Bon. On va récupérer un petit peu de bois. Ah non, on va s'enchanter les trucs d'abord. Non, attendez, pardon, je veux passer là. Par contre, je voulais vous dire ça, la porte, je pense que je la ferai. Si jamais l'hiver est terminé, enfin le 24, donc le jour de la date de l'anniversaire de la chaîne, ben c'est. Ok, alors, attendez, je veux juste. Hein, voilà, niveau 30, protection gaz, frappe 1, tranchant 3. Super, c'est pourri. Et là, vas-y, donne-moi quelque chose. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ça porte bonheur. Puissance 3. Super. Ça fera un puissance 5 sur la balette. Bon, ben voilà. Donc je voulais vous dire, si jamais c'est l'hiver est fini, je le ferai en off avant de la conserver sur clé USB, que je le mets dans un coffre-fort. Là, moi, je vais là, surtout pris pas la. Je vais là, je vais surtout pas la perdre. Donc bah, je la chargerai. Oh, c'est un arbre très moche que je vois là. Deux arbres très moches que je vois là. On va aller couper. Ok, on monte. Voilà. C'est vraiment utile le mode Timber. Faut vraiment que je l'installe. Bon, là, c'est trop tard. Hein. On verra l'année prochaine. Et j'espère que tous les mods seront compatibles pour une autre version pour qu'on puisse construire d'autres choses. Hop. Hop là, on récupère. Voilà, super. Bon, 20 minutes, ça va être bientôt le temps. On va voir, on va essayer de gagner un maximum de temps pour qu'il éclose. Donc, dragon de glace. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez d'un autre truc. D'une autre matière. D'une autre, ouais, matière. Je vous le ferai avec plaisir. Ah merde, c'est de l'autre côté qu'elle est. Voilà. Une porte. Hop. On fera la deuxième la prochaine fois. Et non, qu'est-ce que j'allais faire? On décorera peut-être. Oh. On décorera peut-être après les au prochain épisode et les lits aussi. Non, au prochain épisode, s'il est clos, on va. S'il est clos, on.
S'il est clos, on ira observer, on volera très très loin. Minou, minou, je sais que t'aimes le poisson. Allez, viens. Allez, viens, on est bien. On est très très bien. Bon. Bon. Alors, oui. On va se faire. On va renommer ça aussi. J'espère que ça coûte pas beaucoup de niveau. On va faire quelque chose. Un petit truc de déco aussi. C'est Wariette qui me l'a mis là, donc attendez. Ça, renommée. Si je la renomme, c'est beaucoup. 5. Oh non, j'aurais pas assez. Ouais, c'est 5. Ah, ça va, allez, donne-moi un. Attendez, il y a des mobs, on va pouvoir les tuer. Oh, du coup, je m'éclate avec. Allez, la canne à pêche. La comment ça s'appelle? L'arbalète. Oh, ça se répare avec quoi l'arbalète? Avec du fil? Ou de l'arc? Attendez, on va voir. Bloc. Fil. Non, loot, c'est. Merde. Non, qu'est-ce que je fais moi? C'est ça que je veux. Des os, on en a pour le dragon. Hop, 1, 2, 3. Faut qu'on ait assez. Ouais, on a assez pour se créer un arc au cas où. On n'a pas trouvé de vache. Si, on en avait trouvé, mais fallait que je me le give parce qu'on l'avait. Alors, l'arbalète se répare avec. Non, ça se répare pas comme ça. Ok, on va retourner. Parce que j'aimerais faire genre un truc pour le bar ici et là une cafetière. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière. L'épisode est bientôt terminé. Désolé. Alors normalement ça se répare avec un arc, du coup comme je pense, du coup comme les arcs. Ou alors ça se répare pas, mais ça j'espère pas. Attention. Oh non. Ça se répare pas. Et comment on est censé. Ah, du fer peut-être, du fer. Ah, parce que là on serait bien dans la merde. Elle était bien cette arbalète. Ah, vous voyez? J'ai cru que quelqu'un essayait de voler mon truc. Vous voyez, il commence à taper, il fait son rebelle. Vous voyez, il essaye de sortir. Ça va venir. Non. Oh merde, on peut passer par là. Bon, bah écoutez, c'est bien. On va. Ok, on va. On va vite faire ce qu'on voulait tester. On va vite tester ce qu'on voulait tester. On va prendre du fer, on va en prendre juste un seul. Et on va tester. Hop là. Allez, dis-moi que c'est ça. Non. Et du bois? Non. Eh, je peux plus rien te donner là du coup. Non, ça se répare pas, c'est vraiment nul. C'est nul. On peut pas les réparer. C'est vraiment. Ah, ça m'énerve. J'étais tout content. Ben non, on va devoir l'utiliser jusqu'à la péter. Hein. Oh là 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 là. Bon. Ben tant pis. Hein. Bon, c'est un dragon de glace. S'il éclore dans la nuit, c'est pas très grave. Je suppose qu'il sera au calme. Bon, on va les tuer. On va utiliser l'arbalète du coup. On va. Aller chercher. Oui, donc ça. Oui, d'accord, c'est le dragon, ça. C'est considéré comme un mec. On va aller là-bas. Et on va aller tuer ça. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est un cochon. Désolé. J'étais obligé. Entre les deux yeux. Ah, niveau 4, t'abuses. Et ici. Si c'est un poulet, je prends pas le. Là. Bon, on va lui couper la tête, au pire. C'est pas. On va éviter de gaspiller. On l'utilisera pour le Wither, écoutez, non, le temps que j'ai le Wither, on a le temps de s'en recréer 3 d'arbalète, alors. Ouais, bon, poulet. Niveau 5, c'est bon. On récupère pas le poulet, on s'en fout. On rentre à la maison. Franchement, on est bien là, on s'est bien posé, on est au calme. Voilà. Notre chère maison dont les trucs ne s'affichent pas, c'est très chiant. D'ailleurs, il n'y a pas de pouce là, j'en ai pas récupéré. Non, ok, il nous fallait 5 niveaux pour pouvoir la renommer. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière.
Hop, on renomme cafetière. Cafetière. Voilà. Ting ting ting. Toujours pas cassé, toujours pas abîmé, je veux dire. C'est bon ça. Attendez, j'ai entendu des bruits. Ok. Il y en a un juste là. Bon, bah écoutez, il dérange pas hein, pour l'instant. Ah! Attendez, je sais où il peut être. Non, il est pas là. Bon, bah on va le remettre, on va le reposer alors. Hop là, hop et hop. Ah non, c'était pas comme ça. Super. Ici, hop et hop. C'était dans ce sens. Hop et hop. Super. Donc on a notre cafetière. Ici, cafetière. Donc du coup, quand on va dedans, on a ici cafetière. C'est super. Et il nous faudrait ça. On va faire un. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop. Ah, il fait nuit. On va aller se coucher. Oh. On va aller se coucher, j'ai dit. Oh. C'est qui me fait chier là? Ah, je sais. Non mais. Ça va pas là de squatter chez moi là? Je. Non, il est pas là. Bah, il est où alors? Mais il est où? Il est dans le toit. Ah, je sais. Punaise, va falloir éclairer. On aura plus de torches, on s'en refera après. Hop, hop. Ici. Enfoiré va. Bon, on va éclairer avec une petite torche. Ça peut pas faire de mal. Ok, de plus en plus. Bon, on va rester dans cet épisode. Parce que. Ouais. On va rester dans cet épisode. Jusqu'à ce qu'il éclore. Par contre, il sera sauvage encore. On l'apprivoisera au prochain épisode. Là, il est gris. Est-ce que c'est qu'il est sous un bloc? Pourquoi il est gris? Oh, un Enderman. J'en veux un. J'ai pas de combattre. Super, alors attendez. On va se faire ça. Alors, allez bébé dragon, allez. Enfin bébé. Il est plus grand que moi, rien que quand il est bébé, hein, vous allez voir. Mais vous allez voir. Hop, ici. Excusez-moi. Il nous faut ça. Oh, ça pousse pas. J'aime bien quand on est dans la forêt et tout, mais là ça veut pas pousser. Les bugs de Chunk ne veulent pas se partir, ça m'énerve. Hop là. Mais comment ça se fait? Je vois bien au fond de l'eau. C'est bizarre. Ok. On va remplir les bouteilles tant qu'à faire. Voilà. Oh, merde. Je le réparais. Le pauvre petit arbre. Oh! Oui! Regardez-moi ça! Ah non, en fait, non. Je me suis trompé, c'est. Regardez. Attendez, on va le faire venir. Oh oui! Tu es viril. Vous voyez, yeux verts. Pique de glace et tout ça. Ouh, c'est un gentil dragon. Voilà le petit dragon. Oh, regarde-moi. Oh, regarde-moi. Oh. Oh. Sang. J'ai dû. Oh. Voilà. Vous voyez, il a des belles ailes et tout. Et bientôt, vu qu'on a des selles et tout, on pourra l'apprivoiser. C'est super. On a notre dragon de glace. On lui fera une petite auberge pour lui, hein, parce qu'on peut pas le mettre dans la maison, faut pas déconner. Ah oh, bah c'est bien, je suis content. Bah ben, voilà.
Du coup, on va se laisser là, les amis. On va mettre l'eau dans le... Dans ça. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Masturba13. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas. Si vous avez aimé, donc... à faire un commentaire dans les commentaires et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Masterba13. Je me bois un bon verre de vin chaud. Sur ce, c'était moi, si c'est avec Suncraft. Ah.